خير عليكم مشاهدينا في فقرتكم أمومة لهذا الأسبوع. اخترنا لكم موضوع كتير مهم، خاصة رانا في فصل الشتاء، كتير من الأطفال يعانيوا من السعلة. ومعنا اليوم دكتور رزيق اللي حتعطينا أكثر تفاصيل في هذا الموضوع. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أعطيك الصحة اللي استقبلتينا عندك. مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترناه اليوم كتير مهم لكتير من النساء اللي يعانيوا ولادهم. نقولوا النساء لأنه لي مامو اللي هما بالك اكثر احتكاك مع لي زونفا، باش نتعرفوا اكثر على السعله، اسبابها وكذلك الوقايه منها. السعله هي نتيجه دخول جسيمات غريبه au niveau des voies aériennes, c'est-à-dire في المجاري الهوائيه، que ce soit العليا ولا السفلى. هاد دخول جسيمات الغريبه وهما عديده يسببوا لنا لو ريفلكس دو تو، qui est un réflexe naturel, c'est-à-dire est un réflexe de défense. C'est-à-dire هو الهدف منها تنظيف المجاري الهوائيه من دوك الجسيمات الغريبه اللي دخلت au niveau des branches ou là au niveau تاع الحلق ولا. Alors docteur, صح رانا في فصل الشتاء، يعني بالك الدار تكون شوفي ونخرجوا لونفون برا، واسباب كثيره، تقدر تعطينا من بعض هذه الاسباب اللي تقدر تؤدي للسعله؟ Exactement, le chaud et le froid. C'est une cause vraiment très fréquente. S'exposer trop au froid, il y a un peu de danger que nous sommes dans une région sukhna, c'est-à-dire dans une dar sukhna, bien chauffée et tout, et puis nous sortons de l'air. Avec l'air frais, quand il rentre dans les branches, quand il rentre dans les voies respiratoires, ça déclenche le réflexe de tout. Il est considéré comme quelque chose de rare dans les branches. Et la différence de température est dit, il a un peu de temps. Mais ça déclenche le réflexe de tout. Parmi les étiologies, parmi ces bêtes, c'est bien tout ce qui est viral. Et c'est la cause la plus fréquente. Pratiquement, on peut même dire que c'est les deux tiers des cas. C'est viral. لي مامون اللي عم يشوفوا فينا يحبوا يعرفوا وشنو هما لي سين اللي يخلوا لي بارون لازم يروحوا يدوا ولدهم لاستشاره الطبيب. في اغلب الاحيان تكون السعله ان سيمبتوم بانال، ما تكونش حاجه خطيره داكور، الا انه سي فري كو كاين دي سيرتان سين اللي هما ينبؤونا بالخطوره، ولازم من داك الساعه يفو كونسلتي لو ميديسان دون لي زور دون لي dans les plus brefs délais. D'accord. Voilà, déjà, le tabib, nous avons besoin de savoir comment ça se passe. Par exemple, dans ce temps, nous est-ce que cette situation est haute, c'est-à-dire qu'il y a un dos depuis quelques jours, maximum une semaine, dix jours, ou la maquage a dit cela mousmina, c'est-à-dire qu'il y a un dos depuis plus de trois semaines, c'est-à-dire que l'enfant a eu ça a plus de trois semaines. C'est-à-dire que ce soit aigu ou la chronique, mousmina, c'est des aspects qui sont différents, bien sûr. Il y a un dos, est-ce que ça a neige fin ou là, tu as une toux grasse. السعلة ناشفة عندها مسببات، والسعلة كي تكون غراس وتكون مسحوبة بالبلغم واللون تاعو كانا سي تري امبورطون، هذا كانا يدلنا على عدة أمراض واحدة أخرى. دكتور، أكيد أنه هذه السعلة تقدر تكون سبب أو سبب لأمراض واحدة أخرى، تقدري تذكري لنا بعض منها من هذه الأمراض؟ أون جينيرال تكون خفيفة، لو ديبي يكون ساش، كي تكون مصاحبة بالبلغم الكثرة تكون ليزانفيكسيون باكتيريان. C'est-à-dire l'iltihab bactérie. Donc, quand on dit que le balgam est coloré, qu'on est un peu jaunâtre, à verdâtre, d'accord, c'est ce qu'on a dit qu'il y a un iltihab bactérie dans les qasabats de l'hawaïa. D'accord. Et les enfants, il y en a qui disent, à partir de quel âge ils disent que vous avez fait la halat? La toux, elle est fréquente à n'importe quel âge. Même chez les bébés. Chez les tout petits, chez les bébés de 1 mois, de même parfois un peu moins. Chez les nourrissons, c'est-à-dire de 1 mois à 2 ans, chez le jeune enfant, chez l'enfant et jusqu'à l'âge de l'adolescence. C'est un symptôme très fréquent. Et je suppose même chez l'adulte. Oui, voilà. Sûrement. Donc, c'est ça, c'est un symptôme fréquent. Mm-hmm. Mais en fonction de l'âge, on a des amrad mouayyanan nhaddouha. L'âge, il nous renseigne, c'est-à-dire, il khlina na'rfo gana wach mel mard, wach kayen amrad. Elles sont plus fréquentes chez le nourrisson et moins fréquentes chez l'enfant. Donc voilà. On peut pas s'empêcher d'en prendre un seau. Exactement. Surtout qu'il est sensible. Tout à fait, exactement. Quand on se connaît malade, c'est-à-dire qu'il y a la grippe ou la maladie,
vaut mieux ne pas s'approcher trop du bébé. Quand c'est la maman et elle est obligée de toucher son bébé, il faut porter un masque, il faut laver les mains. Quand on tousse ou là, quand on éternue, qu'il n'a pas de ou n'a pas de il faut toujours dans le pli du coude. Il ne faut pas de salou, il faut toujours faire quelque chose. Surtout, il a quand en face à l'île un bébé. Donc, toujours tousser ou éternuer dans le coude. Comme ça, les microbes qui sont en train de se faire, on ne va pas les transmettre. Traitement, sûrement, il faut aller à la salle. Bien sûr. Tout à fait. Donc, il a quand, par exemple, التهاب القصوات القصبات الهوائية يكون ناتج على فيروس ماشي كيما يكون ناتج على بكتيريا كي يكون ناتج على فيروس en général on n'a pas besoin de beaucoup de traitements, on n'a pas besoin, surtout on n'a pas besoin d'antibiotiques parce que actuellement on a tendance à utiliser à tort et à travers les antibiotiques on استعملهم بطريقة عشوائية. Exactement, on les achète sans ordonnance et tout ça ne doit pas se faire. Ne doit pas se faire. Donc, par exemple, quand c'est viral, on a juste besoin de bien boire, c'est-à-dire on hydrate bien le nourrisson. Natolo yishrob, natolo mshrobet dafi'a, ماشي trop, ماشي ساخنه, ماشي vraiment bien chaude, mais plutôt mshrobet dafi'a. Tout ça, il hydrate l'enfant. Ou quand on hydrate l'enfant, le belran taou يكون سائل, mais كونش يابس. Ou qui كون سائل, il arrive à le dégager facilement. Donc là, nous سهلوا عملية السعلة. Par exemple, les sirops, les collègues, ils disent que le balgam ou ils سهل باش يخرج البلغم. هادو كاع avant 2 ans, on les donne pas. Parce que le réflexe de toucher l'enfant, il est chez le nourrisson surtout, il est un peu immature. Ou ma douche كيفاش tout à fait, mais عارف شي يخرج les muscles. Exactement, يقدروا يتاكوميلاو لو في الصدر, c'est-à-dire ils vont stagner ou من داك الساعة وين يصير لنا تعفن بكتيري. D'accord. Les sirops antitussifs aussi, ils ne sont pas pratiquement pas indiqués chez l'enfant, si ce n'est dans certains cas. Hadak li wali tabib huwa li ndou l'qabiliya باش يقول لك يقدر ولا ما يقدرش يشربو. Mais il faut pas bloquer la touche chez l'enfant. On a dit au début les soeurs là, c'est un phénomène naturel et c'est un phénomène de défense surtout. On cherche à faire sortir ce qu'il y a dans nos branches. كثير من الامهات يستعملوا دي رومات دو غومير, تيزان, ميل. انتيا واش رايك في هذا الشيء؟ Au contraire, les astuces de grand-mère, elles peuvent apporter. Surtout le miel. Surtout le miel. Maintenant, les boissons chaudes, qu'on a, c'est bien pour hydrater les tisanes et tout. Il faut faire attention, bien sûr, à l'âge. Il faut voir quelle tisane on donne, la quantité. Il ne faut pas donner trop de tisanes. Parce que justement, l'assassin, il faut le chlib. Il lui apporte les vitamines ou tout ce qu'il en a besoin, le bébé. Donc, si on donne beaucoup de tisanes, on va remplacer le lait. Mais dès que ça, on va tomber des carences alimentaires. Donc, moins de 6 mois, il faut faire attention avec les tisanes. Mais n'empêche, une petite quantité avec des graines, yani les machines khaterines, les machines même noires, fait de l'âge, ça va apporter du bien. Le miel, pas avant 1 an. يعطيك الصحه دكتور على كل هذه المعلومات القيمه اللي عرفناها على السعله. بالك عندك نصائح اللي تقدري تمديهم للامهات لوقايه ولدهم من السعله؟ دوتر كاين مسببات واحده اخرى للسعله باغ اكزومبل كون فاسيتي بريفمون مي كي سون تري تري امبورطونت باغ اكزومبل التحسس ولا ما كاش نوبه الربو هادو سا بو دوني دي سعله داكور تنجم تعطي سعله تنجم تعطي باغ اكزومبل جزيئات هكا في الهواء ينجم يديروا اون اريتاسيون اي تو سا بو ديكلونشي لا تو باغ اكزومبل اون فاسيتي باغ اكزومبل كيلكو مسببات تاع الحساسيه لو بولين لا بوسيير دو ميزون لا موازيسور Exactement, les poils d'animaux, les poils de chat, de chien, d'accord. Et ça, il faut avoir l'istidad pour développer la hassasiya à هذوك المواد. Mais dès ça, on peut faire des toux récurrentes, les trois ou dix, voilà. Et aussi, adna, mais une chose très très importante chez l'enfant, et surtout c'est la particularité chez l'enfant, c'est l'inhalation de corps étranger. Par exemple, qui va faire une fausse route, il shirq. On dit shirq. Par exemple, surtout chez l'enfant, parfois il connaît que surtout ça ramène le muxarat, mais هذوك الزريعه هذوك اللي ياكلوها بزاف les enfants et au lieu d'avaler, parfois il connaît يهضر ولا يكون يلعب ولا واحد يخلع ولا il fait une fausse route. Au lieu que ça descende au niveau de l'eau sauvage ou تحبط l'estomac ويبلع عادي, exactement, تروح للقصبات الهوائيه, من داك الساعه ça déclenche une toux aiguë. Et ça peut être c'est-à-dire impressionnant qu'on soit là qu'aouya exactement parfois on se trouve une petite cyanose au niveau de la bouche ou camel après ça passe inaperçu donc la maman ne t'hadrch le dak le وقت ما تفيقش ما لا كان الطفل كان وحده ولا ما تفيقش لا maman mais après ça va donner des toux ça va donner des infections ça va donner هكا
ومن بعد من داك الساعه الطبيب ينتبه ويسقسي لا ماما اي بي سي كوم سا كون في لو دياغنوستيك يعطيك الصحه دكتور بالك عندك بعض النصائح اللي تمديهم لي مامون اللي راهم يشوفوا اكزاكتومون لي وقايه ولادهم الاطفال اكزاكتومون شوفي سورتو النصائح يفو سافوار كون كونسلتي D'accord. C'est vrai qu'on dit que cela, c'est un phénomène banal, c'est un phénomène... oui, mais il y a certains cas où il faut consulter le plus rapidement possible. Par exemple, le jeune nourrisson, moins de 3 mois. Quand il y a des signes de gravité, par exemple, il y a des signes de gravité, par exemple, il y a des signes de gravité, par exemple, il y a des signes de gravité, ou il y a des signes de gravité, par exemple, il y a des signes de lutte, c'est-à-dire qu'il respire difficilement. Soit les ailes du nez يكونوا يتحركوا بزاف مثلا يكون parfois عنده un tirage c'est-à-dire يكون يدخلوا هنايا في le creux sternal c'est-à-dire هنا ولا ما كاش au niveau des côtes c'est-à-dire يدخلوا له هذوك les muscles هذوما c'est des signes de gravité d'accord une toux qui dure plus de 10 jours plus de 15 jours il faut consulter une fièvre mal tolérée c'est-à-dire هذاك الطفل تولي عنده الحمى بزاف وما تحبطش بالدواء تاع الحمى ولا et qui dure plus de 48 heures aussi, il faut consulter. D'accord? Voilà. Et le jeune nourrisson, ou là, le prématuré, là, il ne faut pas... bien sûr, il faut bien surveiller l'enfant. C'est important. Voilà, je ne sais pas. Mais aussi, il faut bien l'hydrater. Il chope le main. Il chope des boissons tièdes. Il ne faut pas trop chauffer les maisons. Là, on a tendance à chauffer les maisons, surtout. Non, ce n'est pas bien. Au contraire, هذا واش يسبب يسبب ينشف الحلق تاعو ينشفوا القصبات الهوائيه من داك الساعه لا تزيد داكور او كونترير il faut laisser une température pas trop élevée l'idéal c'est 20 22 maximum il y en a même qui les يقولوا 19 درجه حراره mais voilà il faut humidifier l'air de la maison il faut pas que ce soit الهواء يكون بزاف ناشف في الدار il faut يكون تكون نوعا ما exactement نوعا ما درجه الرطوبه Voilà, donc grosso modo, c'est ça. عطيك الصحة دكتور على كل هاد المعلومات القيمة وكذلك النصائح اللي جسبر انتم تاني استفدتوا من كل هاد النصائح خاصة أنه الأطفال تاعكم اللي هما أهم شيء عندكم وسورتو الصحة تاعهم ربي يحفظهم إن شاء الله شكرا مشاهدينا نتلقاو في مواضيع أخرى إن شاء الله